J'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouveau let's play en compagnie de Lizzie Mason et de Johnny Zest. Donc vous êtes nombreux à me dire, Johnny, mais Johnny c'est le fils de truc, de machin bazar, de Plenosas. Mais non, c'est pas le fils des Plenosas, je le redis, c'est pas le fils des Plenosas, arrêtez de me saouler avec ça. C'est juste Johnny Zest quoi. Le fils des Plenosas, je suis arrivée, est un adolescent, il s'appelle Malcolm. Donc voilà. Donc, j'en ai un petit peu marre de leur look à tous les deux, même si on a relooké il n'y a pas longtemps notre petite, notre amie. Donc je vais un peu relooker Johnny. Stop. Go away. Donc j'étais chargée plein de trucs. Trop de trucs encore. Plein de maquillage et donc on va relooker aussi, je pense qu'on va relooker un petit peu les deux parce que là c'est juste pas possible. Donc qu'est-ce qu'on va mettre, on va mettre ça je trouve ça chouette avec un petit pantalon non ça c'est pas beau, noir. Ah non c'est dégueulasse, oh mais c'est vraiment dégueulasse, j'ai été le chercher où celui-là, dans une poubelle ou quoi. Ah non c'est pas possible. Ouais, ça c'est pas mal ça. Avec une belle paire de baskets. Comme ça. Ah ouais, là c'est cool. Là j'aime bien. Et des petites... petites capotes. What is that? Bon ça c'est plutôt pour notre ami... vous savez. Pour... Enfin voilà quoi. Notre ami... Myriana. Ça lui conviendrait bien. Bon. Bracelet. Hop, voilà, comme ça, ça fait cool. Ça fait chouette, j'aime bien. Et on va lui mettre, c'est peut-être con, mais j'ai envie de lui... Non, pas du mascara. Ah non, le mec, c'est un gothique, en fait. On va lui mettre... Ouais. On va lui mettre ça. Et on va mettre... Eh ben, en noir, comme ça. Enfin, des élargisseurs, mais que ça peut être chouette. Ah, des Google, non. Non... C'est quoi ça? Ça rajoute quoi? Ça rajoute que dalle. Bon. Ah, des petites nailes de fée! Oh, Dani, qu'est-ce que t'es beau comme ça avec des petites nailes de fée? Non. Bon, bah écoutez, il est bien comme ça. Je regarde juste les autres tenues. Ouais, ça c'est bien. Ouais, ça va. Bof. Ouais, ça fait très Stromae, hein. Pas à dire. Ouais ça va, bon sauf le truc, non, rose j'aime pas. Rose j'aime pas. Oh là là non, j'aime vraiment pas. Voilà, voilà, putain c'est dégueulasse. Oh. Bon, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Voilà. Voilà, voilà, donc on va laisser la coiffure comme ça parce qu'il est bien comme ça. Excusez-moi pour cette petite coupure et si vous m'entendez un peu chiquer, mais je vais prendre un strepsil parce que j'ai la gorge. J'ai des cannes de tout parfois qui viennent, donc voilà. Notre petit Johnny, what do you want? Être drôle avec 5 Sims. Tu vas essayer d'être drôle avec 5 Sims. Hein. Tu vas imiter une célébrité, voilà. J'imite qui là? J'imite qui? Je suis en fait quelle heure parce que là ton mec me gonfle déjà. Oh seulement. Bon. T'es un bon pote, t'es un ami. Bon de toute façon on a besoin d'amis donc on va faire connaissance. Glouton. Ah mais je comprends beaucoup de choses maintenant. Ah. Yeah, Merkid Quinofa. Yep,
Et joueur, d'accord. Joyeux, ok, c'est chouette. Bon. J'étais drôle avec atteindre le niveau 2 de compétence guitare ou violon. Mais guitare, on en a une de guitare ou pas? Non, on n'a pas. Bon. Donc, on s'était dit. Regardez, voilà. Donc là. Là. Voilà. Alors, qui avait raison? Je veux un pouce vert parce que j'ai raison. Rien que ça, regardez. Là, vous avez Johnny Zest et là, Malcolm Blenosas. Eh oui! D'ailleurs, dans le Wedding Beach Challenge, vous aurez droit aussi à cette remontre. Hein. Ça, je vous le dis déjà parce que ça m'est tellement pris la tête avec ça. Regardez, c'est pas le même. C'est pas le même. Lui, il est laid. Johnny, ça va, il est potable. Il ressemble juste à l'autre là, mais en blond. L'autre là, le sportif là, que... Oh non, je vais vous spoiler. Non. Surtout qu'à mon avis, vous aurez même pas encore vu le... Oh non. Je vais vous spoiler le Wedding Beach Challenge. Faut que je me taise. Bon. Ils vont dire quoi? Le gros tease, là. Le gros teasing. C'est pas... Bon, vous voyez, là, c'est pas le même. Donc, rien que pour ça, je mérite un pouce bleu. Et si vous avez mis un pouce rouge, c'est que vous êtes con. Voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est dit. Mais vas-y, va piquer dans mon frigo, toi. Mais genre, à l'aise. Oh, du gâteau. Je me sers. Po. Allez. Très peu de bouffe. C'est un peu ça, quoi. Bon. Comme moi, en fait, là, vous m'entendez en train de manger une chic, mais... Enfin, un bonbon, comme vous dites en France. Bon, enfin, nous, en Belgique, les trucs genre carambar, haribo et tout ça, on a juste des bonbons. Des chics, pardon. Ou des bonbons. Les bonbons, c'est plus biscuits, comme on appelle ça, voilà. En plus... Nettoie-moi ça, au moins, hein. L'évier, là. Qu'est-ce que tu fous? What the fuck? Qu'est-ce que tu fous? Mais on t'a pas autorisé à allumer ma radio. D'accord, ok. Son assiette apparaît comme par magie. Pouf! Non, c'est ma... C'est normal. Ah ouais, et donc tu vas me la laisser là? Dégage, tout seul. Tu baisses un gros bordel là. Oui, tu dégages. Oui, toi, tu dégages. Tu dégages, tu mets de la vaisselle, c'est dégueulasse. Ouais, t'es mon ami, mais merde quoi. Merde. Ça ne te dispense pas ta vaisselle, fais pas chier. Voilà, c'est fait. Bon. Mais c'est la... Eh, mais... Bon. Vous êtes frères et sœurs là, avec l'autre là? Allez, je te connais pas. T'es qui? Ah, c'est une amie. Quand une blague sur l'ami, on va essayer d'être drôle avec des Sims, un peu autre Sims. Elles sont chaudes, d'accord. Bon, pendant ce temps-là, on va relooker notre Sim 7. Hop, voilà. J'ai déjà eu plein de maquillage en fait. Non mais c'est elle, pas lui. Voilà. Donc. J'ai de nouveau maquillage et j'ai envie de changer un petit peu sa coiffure. Voilà. J'ai pris des nouvelles coiffures. Je vais essayer de vous les montrer. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai tourné 5 épisodes du Wedding Beach Challenge cet après-midi, ce matin. Et que vous n'avez pas encore... What, qu'elle est trop belle. Vous n'avez pas encore vu les coiffures que j'ai chargées parce que j'ai pris cet après-midi. Mais cet épisode sortira avant les 5 épisodes du Wedding Beach Challenge. C'est assez cocasse, en fait. Oh, c'est joli. Bon, la texture est un petit peu dégueulasse. On dirait qu'elle a un peu des crottes sur la tête, mais... Ouais.
Bof. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien, c'est plus simple. Enfin, c'est plus... Donc, au niveau des make-up que j'ai téléchargés, où est-ce qu'ils sont? Je crois que c'était ceux-là que j'ai pris. Ceux-là, ah, oh, ceux-là, ils sont super beaux. Ouais, dans ceux-là, j'ai pris. C'est trop beau. Et dans des rouges à lèvres aussi, magnifiques. Je regarde après. Ouais. Je crois que c'est dans ceux-là. Ouais, ceux-là aussi, j'ai pris ceux-là. Ils sont super naturels en plus. Oh. Oh, ceux-là, je trouve un petit peu dégueulasse quand même. Pas très fan. Oh là là. Ah, oh, ça, je kiffe celui-là. Boucle d'oreille, j'en ai un petit peu changé. Ouais, là c'est bien. Et ta blouse. Comme t'es une fameuse geek. Voilà. Ah, trop beau le dos. Bon, bah voilà. On a changé la miss. Hein. On a changé la miss. Bon. Excusez-moi. Je mange un petit bonbon, ça peut m'empêcher tout durant le let's play. Ça m'arrange. Bon, l'art looké. Tu t'ennuies, ah oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Jouer à un jeu vidéo. Jouer. Voilà, hop. Toi, tu veux être drôle. Oui, c'est vrai! On m'avait dit un truc. On avait dit un truc. Donc en fait, la fois passée, je vous avais donné le choix de... comment dire? Si vous allez se marier avant ou faire un bébé. Le truc est que... Non en fait, parce que j'ai l'épisode n'est pas encore sorti. Et moi j'ai envie de leur faire faire un bébé. J'ai vraiment très très envie. Donc voilà, on va essayer de faire un bébé avec Lizzie. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais dégage! Mais dégage! L'autre, elle va sta... Mais oui, nettoie mon gâteau, connasse! Mais qu'est-ce qu'elle me fout? Bon. Bon, allez, on va essayer de faire un bébé ensemble. Oh là là, mon dieu. Oh mon dieu, est-ce que ça va marcher? Oh là là, mon dieu. Mais dégage! Non! L'autre là, mais qui se pointe dans la chambre pendant qu'ils sont en train de... Voilà! C'est juste pas possible! T'es enceinte ou pas? Toi? Donc toi? Toi, tu dégages! Toi? Tu dégages. Toi, tu dégages de chez moi. Je peux même pas faire des choses avec mon homme tranquillement. Ouais, c'est ça, les dégages. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Oh, mais purée, quoi. Mais la Sims, là. Faire un test de grossesse. Oh, mais purée, quoi. C'est pas possible. Est-ce qu'elle est enceinte ou pas? Verdict. Lizzie est enceinte, les amis! C'est la première fois que j'ai une Sims qui... What is that? Son bide! Mais what? Qu'est-ce que tu... Quoi? Mais elle a pris, mais... Genre, pff, dans le cou, son bide! What the fuck? Mais... C'est quoi ça?
Mais t'as un gros bidou, Lizzie. Bon. Ok. Dans le deuxième trimestre, ah, deuxième trimestre dans 24 heures. D'accord, ok. Oh my god, mais... Il en a pas, on a rien pour loger le bébé. Oh merde. Oh merde. Bon. Excusez-moi. On va devoir faire un petit peu de shopping, je pense. On va prier pour que... ça se fonctionne bien. Bon. Voilà. Lydie. Tu as un polichinelle dans le tiroir. D'ailleurs, je me dis, est-ce que je vous tease vraiment avec cette photo? Sur le Facebook ou pas? Ah là, c'est les envies de femme enceinte, là. Elle est enceinte, c'est fait, elle a envie de... voilà, quoi, vous avez compris. Ah ouais, non, ah là, c'est fait, là. Bah écoutez, on va se marier immédiatement. Voilà, c'est fait. Pas un grand mariage. Johnny, mon amour, épouse-moi. Et moi, je dois faire pipi. Excusez-moi de tousser. Il y a même Sakura qui participe pour Let's Play. Ça, c'est le mariage le plus romantique du monde. En calbute dans la chambre. Enceinte. Quelle magnifique cérémonie, Lizzie, mais ça, on le savait, avec Johnny Zest. J'ai la dalle. Donc, elle qui a la dalle et lui qui a envie de pisser. Alors là, je vous raconte pas la cérémonie de fou qui passe. Hein. Ah, tu ferais. Ah, bravo les jeunes mariés. On applaudit. Wouh, ah, je suis grave contente. Indara débarque maintenant parce qu'elle est au boulot. Il débarque maintenant, il me prend pour une folle. Hein. C'est fait, les gars, c'est fait. Je vous le dis. Il me prend pour une malade. Pour une vraie malade. Bon. Ben voilà. On a fait les deux, en fait. On a fait les deux. D'accord. Regardez les étoiles avec Lydie. Bah écoutez, on va faire ça. Hein. Sans ton calbut, je rigole. Si, bon, non, en fait, tu vas les pisser, mec, parce que là ta vessie va exploser. Hop, et toi, tu vas juste aller bouffer, mais quelque chose, ouvrir. Allez, bouffe du gâteau. Prendre un morceau. L'autre qui a été nettoyé le gâteau, là, l'autre baraki, là. Purée, quoi. Le gâteau que j'ai fait. Mon bon petit gâteau. Eh bien, les amis, j'ai l'impression qu'on approche tout doucement de la fin, quand même, en fait. Tout doucement de la fin de cet épisode. De Dream Legacy. Donc, on va voir comment ils vont s'en sortir avec le bout de chou. Quand est-ce qu'elle va accoucher. Donc là, on est dans... dans le premier... non, deuxième trimestre, dans. Donc on est dans le premier trimestre. Et tu vas devenir encore plus grosse. Bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Bon. L'autre, là, je sais même pas s'il est prêt à être père, là. Oh là là, sainte mère. Allez, tu vas bouffer un petit bout aussi, parce que ça fatigue, hein, de faire des galipettes. Hein. Ça fatigue. Et vas-y, tu vas prendre un morceau du gâteau, et tu vas manger avec ta femme. Avec ta femme, maintenant, c'est ta femme, c'est ton... Vous êtes mari et femme maintenant. Tout à l'heure, quand on a foutu au dehors, j'ai voulu même pas... enfin, on ne peut même pas faire des choses avec son mari, mais, parce qu'il n'était pas encore marié. Maintenant, c'est vrai que quand... Quand je parle d'Indara et moi, en fait, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Et c'est vrai que quand je parle de lui, je dis mon mari, en fait. Quand je parle de lui à mes collègues, à mes amis, je dis mon mari, parce que... c'est juste parce que niveau fou, on n'a pas de fric, comment on se marie pas, en fait. C'est juste ça, sinon ça serait déjà fait. Ben, moi, je me réjouis de voir le bout de chou qu'ils vont avoir. Honnêtement, je me réjouis de voir la tête que il ou elle aura. Franchement, je me réjouis. Tu parlais pas un petit peu avec ta femme faire crac, crac. Oh, ouais, vous êtes chaud comme la braise, hein, les gars. Allez, hop. Un petit coup pour la route. Allez, hop, un petit coup pour la route. Pour terminer le let's play, hein.
Tu vas assouvir tes envies de femmes enceintes de gâteaux au chocolat et de galipettes. Wouh! Elle a fait genre, elle lève le poing. Ouais, on va. Tut. Je vais pas le dire, hein. Parce que dans le Wedding Beat Challenge, je crois que j'ai dû le censurer ce mot-là. Donc j'ai pas envie de passer mon temps à le censurer. Bon bah voilà les amis, hein, c'est sur les galipettes de Johnny Zest qui a mis son petit zeste dans dans Lizzie pour faire un bébé que je vais vous laisser. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas moi j'étais grave contente de faire ce let's play, je me suis bien marrée, je crois que ça s'est entendu. Donc voilà, je vous fais des tonnes de bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt, ciao ciao.